Ton micro. Merci, bon. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur et Madame la rapporteure pour avis. Le 29 avril 2019, l'Institut de recherche suédois CIPRI constate qu'en 2018, les dépenses militaires mondiales s'élevaient à 1 800 milliards d'euros, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2017. Le constat est clair, le monde se réarme. C'est dans ce contexte qu'une coopération telle que celle présentée aujourd'hui par ce rapport, par ce projet de loi, pardon, est importante. C'est évidemment un moyen de mutualiser les moyens entre la France et l'Allemagne et de développer donc des partenariats stratégiques. Le rapport du sénateur Christian Cambon sur la coopération et l'intégration franco-allemande constatait l'avancée que représentait le traité d'Aix-en-Provence signé le 22 janvier 2019, tant en le reprochant, comme vous l'avez fait également, monsieur le rapporteur, de ne pas proposer de mesures concrètes. Aujourd'hui, l'accord qui nous est présenté permet effectivement de présenter des objectifs stratégiques similaires entre la France et l'Allemagne. Et notamment, vous l'avez rappelé, ça se concentre pour les deux parties sur la région sahélienne. Sur ce point, les expériences menées avec les aéronefs C-13OJ, dont il est question dans cet accord en mai 2018 dans cette région précise, ont été, selon l'armée de l'air, concluantes, ce qui démontre la nécessité de la mutualisation de l'utilisation de cet aéronef. Je rappelle juste les conclusions. Les résultats obtenus durant cette campagne d'expérimentation au Sahel sont à la hauteur des attentes, avec plus de 560 militaires et presque 60 tonnes de fret transportées en moins d'une quarantaine d'heures de vol. Tous les objectifs visés ont été atteints et permettront à terme de valider la capacité de cet avion à opérer sur terrain sommaire et en environnement opérationnel. De plus, cet accord devrait permettre une complémentarité à deux niveaux. Tout d'abord, il fait partie d'un projet aérien franco-allemand plus complet qui s'articule autour de différents autres programmes tels que celui sur la création de l'avion du futur, appelé New Generation Weapon System, ou le programme hélicoptère Tigre. Enfin, ces avions complètent les autres équipements aériens des deux parties, la France faisant état d'un vieillissement de ses flottes existantes et l'Allemagne du retrait de ses C-160 d'ici 2021. Même si des divergences existent aussi en matière de défense entre nos deux pays, je partage ce que vous dites, monsieur le rapporteur, à savoir que dans un contexte post-Brexit, la coopération entre la France et l'Allemagne en matière de défense doit être étendue et renforcée, car une fois le Royaume-Uni définitivement parti de l'Union, ce sont bien nos deux États qui disposeront de la plus grande puissance militaire de l'Union européenne. Ma question est la suivante. Qu'en est-il de l'A400M qui en fait effectivement devait remplir les objectifs de l'aéronef C-130J? Dans quel délai pensez-vous qu'il sera opérationnel?